Notre emplacement, il démarre là, c'est notre petite bouche d'été. On va un tonneau acide. Moins cher en fait aussi. La structure nous a coûté 8000 euros de matériaux. Et on a rajouté 4000 euros. Le bois, on le met là. On le met en vertical. Comme ça, ça brûle. Ça, c'est du sable. Ça, c'est du sable mélangé avec un matériau un peu réfractaire. Les fumées vont venir ici en ressortant par là. Et on va dépasser au bout d'un moment 650 degrés. Et à ce moment-là, il y a une deuxième combustion qui va se créer. Et donc ça génère trois fois plus de chaleur que la combustion primaire. C'est une maison démontable isolée de paille. À chaque fois, donc, vous avez des cuissons. Je ne vous ai pas montré ça d'ailleurs sur la maison, mais nous, notre maison, elle est en module avec déjà l'isolant et des fenêtres. Et quand on la démonte, on démonte chaque module. On va construire un bâtiment commun qui sera aussi isolé en paille, qui fera 85 mètres carrés. Nous, c'est un truc qu'on aimerait de plus en plus faire. Vraiment avoir deux types de projets, un projet amolégé comme ça et un projet plus logement social, écologique et avec un peu participatif, porté par une commune où les bailleurs ne veulent pas aller. Et du coup, la question de l'accès au logement est quand même la... Ouais, c'est la racine. C'est la racine de tout ça. C'est la racine, c'est se dire, bah, aujourd'hui, c'est sûr, l'accès au logement, on l'a tous vécu, c'est très compliqué, si on ne peut pas emprunter, parce que les banques ne prêtent pas tout le monde.